Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Oui, enfin je suis de retour. Et je suis là pour vous jouer, non, pas un mauvais tour, pour vous faire découvrir un nouveau jeu, pour commencer une nouvelle aventure, un nouveau let's play. Vous le voyez, la terre du milieu, l'ombre du Mordor. Édition Game of the Year. Oui, mes amis, nous allons jouer au Seigneur des Anneaux. Non, nous allons jouer à l'ombre du Mordor, car c'est un jeu que j'avais découvert, je crois, en 2014. Je crois qu'il est sorti le 3 octobre 2014. Et c'est un système de jeu d'action-aventure, d'action-RPG, entre guillemets, sur l'univers de la Terre du Milieu, enfin du Seigneur des Anneaux. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire les livres de J.R.R. Tolkien, notre grand maître à tous. Bref, nous allons pouvoir commencer. Wouhou ! Alors, c'est un jeu que je connais. Hein. Je l'ai déjà fait au même titre que les Royaumes d'Amalur ou Dragon Dogma, mais ça fait un petit moment que je l'avais pas fait. Et vu que sa suite sort au mois d'octobre, j'ai envie de vous dire, on va se faire celui-là et on se fera l'ombre de la guerre. Sorti le 10 octobre, précommande disponible maintenant. Rien ne sera oublié. Alors, partie sauvegardée, nous, ça c'est ma partie principale. Et on va aller à l'emplacement vide. Nous avons différentes possibilités, vous voyez. Mais pour le moment, c'est le mode d'histoire. Allez, c'est parti. On commence une nouvelle aventure. Sur les terres du Mordor, où règnent les ombres. C'est ici, sur les flancs de la montagne du destin, que Sauron, le seigneur des ténèbres, fut vaincu par la dernière alliance entre les hommes et les elfes. C'est ici que depuis 2500 ans, les rôdeurs du Gondor montent la garde, guettant une menace mystérieuse, quasiment tombée dans l'oubli. Et tandis que la puissance du Gondor déclinait, le pouvoir et la rage de Sauron grandissaient dans les ténèbres. Il est de retour au Mordor. Les ombres et les flammes ont investi les portes noires. Et aucun être mortel ne pourra l'arrêter. Violette ! Israël ! Coup d'épée parfait pour tuer les poules. Je voudrais pas te blesser. Ah, tu es très loin du compte. Israël, le méchant tueur de poules. Allez, allez, montre à ton père ce que tu sais faire. Ok, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, notre fils est mort, et là, on doit être dans un flashback. Attends, j'ai dit Y. Tu vas devoir frapper plus fort si tu veux battre ton... Eh ouais. Elle est Billy, chasseur de poules. Ouais. Donc ça, c'est pour parer. Très bien. Mon fils, n'oublie pas de bloquer. Et hop là. Peut-être pas oublié de frapper. Sois vigilant. Yon. Ton ennemi ne sera pas toujours ce qu'il semble. Yon. Yon. Doucement. Tu n'es pas encore soldat. Je vais te faire la peau. Ok, ça c'est pas mon fils. Oh, t'es vilain. Oh, il est vilain. Oh, il est pas beau. Fais gaffe, il y a des orques. Bien joué, Billy. Je vais bien.
ok, ok. On s'en occupe des Robert. Ok, alors, on est en mode tuto, hein. Décapitation. Vite. N'oublie pas ton entraînement. Ah, il y en a un autre, il y en a un autre là-bas, regardez. Yo. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, ça se voit. Attends. Saisir et projeter. Viens ici, toi. Maintenant, on va faire un vol. Voilà. Olé. Yo. C'est pas une bande d'or qui va m'arrêter. Aïe. Enfin, j'ai dit ça, mais bon. Coucher Jean-Pierre. Viens ici. N'oublie pas les bottes, mon fils. Et frappe fort. Ouais. Attention, sinon je le bute. Voilà. Vous avez prévenu. J'avais jamais vu d'orques aussi puissants. C'est parce que ce sont les Uruk. Ils sont plus forts. Il y en a trop. Les Urukai? Va chercher ta mère. Va la retrouver. Protège-la. Je vous rejoindrai. Fonce. Ah bah dis donc, c'est... Ça commence déjà super épique. Et donc ça veut dire que notre fils, je il est... Je suis mort. Je suis mort? Banni d'entre les morts. Qui c'est? Qui me parle? Oh oh. Oh mince, je crois que c'est ma femme. Je crois que... J'ai perdu ma femme, mon fils et on dirait ma vie, mais... C'est bizarre. Attention, flashback 2. Ouh, elle a l'air mignonne, la femme. Viens, on va faire des bébés, on va faire des petits frères et des petites sœurs à Billy. Alors. Mais sur ta route, n'oublie jamais. Ok, donc ça c'est le mode discrétieux. Et sur les plages à Amphalas, dors sous un ciel étoilé, découvre donc un âge doré, débordant de belles promesses. Semi-homme, elfe et nain croisé, t'allouront toute leur sagesse. Eh, hey, chante bien, hein. Attends, Billy, enfin chérie. Donc là, on est à la porte noire, hein, à la porte noire de... qui sépare le royaume du Gondor, on va les regarder, et le royaume du Mordor. Donc théoriquement, la cité de Minas Tirith, c'est par là, ou c'est par là, je sais pas trop. Ouais, ici ça a l'air d'être plus le Mordor. Bon, bref. Donc on a la porte noire qui, dans les films, ont été récupérées par les orques. Mais avant, elles étaient tenues donc par les rôdeurs du Nord. Rôdeurs qui faisaient partie de la race des d'Aragorn, enfin... Si vous n'avez pas lu le bouquin, je vous invite à le faire. Et si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu les bouquins et que la mythologie des livres... Bah, je suis en plein dans mes souvenirs, donc ce qui fait que je peux faire plein d'erreurs. Excusez-moi. Mais bon, pour le moment, on va essayer d'attraper la donzelle. Yo. Joyeux anniversaire, mon cœur. Talion, je trouve ça magnifique. Où l'as-tu trouvé? J'ai encore quelques amis au Gondor. Tu as parlé à mon père? J'ai essayé. Il n'y a rien à faire, il est toujours aussi borné. Si on y allait quand même? Dirael ne voudra pas venir. Je suis certaine qu'une vie meilleure nous attend. Pas maintenant. Mais bientôt. J'en ai assez de me cacher ici, Talion.
Vas-y chérie, lâche pas la main, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, fais gaffe. Il y a des monstres partout. On aurait dû partir quand on le pouvait. Ne bouge pas, je vais dégager le chemin. Il y en a trop. La furtivité est mon seul avantage. Ok, en mode discrétieux. Tac 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 tac. Oh c'est épique. Oh c'est épique. Oh tac 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 tac. Oh, pour se la jouer ninja. Ouh, je vous avais dit que ce jeu ça allait vous plaire parce que moi ça me plaît déjà. Yo. Voilà. Lâche ma femme. Ton épée, rôdeur. Juste ma femme d'abord. Enfoiré. Ça fait mal. Aïe. La main noire le veut vivant. Yoret. Prenez-la. Ça fait mal. Aïe. Aïe aïe aïe. Il va vivre. Ah mais quel enfoiré. Non. Ah mais c'est bon là. Ça fait mal. Toi si tu les touches je te trucide. Tyrael, regarde-moi, je suis là, mon fils. Gorano, Shirkuj, Agas, Gouchou. Non! Kantia, Apakuriza. Non! Gulmana, Kizak. Yoret! Yoret! On se retrouvera, mon cœur, bientôt, pour toujours. Gorano, Shirkuj, Agas, Gouchou. Kantia, Apakuriza. Gulanakizak. Je vais me venger. Je me vengerai, je vous tuerai tous. Kantia Apakorizak. Ou pas. Je crois que je suis mort. Reviens à moi, seigneur elfique. Je crois que je suis mort. Quel est cet endroit? Regarde autour de toi. Le Mordor. On est au Mordor? Tu me crois maintenant, rôdeur? Que m'est-il arrivé? Tu es banni d'entre les morts. Condamné à errer entre la lumière et les ténèbres. Une malédiction nous a réunis entre les murs d'Arda. Si ce que tu dis est vrai, il nous faut rompre cette malédiction. Nous devons trouver celui qui nous l'a jeté, la main noire de Sauron. Ça me rappelle quelque chose. Ok. C'est bon, le tuto il est fini, on peut commencer à jouer. Eh ben dis donc, vous pouvez dire, ce début est quand même vachement épique. Hein. Voilà, on a perdu notre femme, on a perdu notre fils, on a perdu notre vie, et il y a un fantôme qui est venu squatter notre corps. Ce qui fait qu'on est un mort vivant. J'adore ce jeu. Oh, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Reforger, ouais, reforger quoi? Et déplacement rapide disponible. Déverrouillage des tours de forge débloque les souvenirs du spectre. Appuyez sur A pour continuer.
Ceci débloque de nouvelles missions, de nouveaux emplacements d'éléments à collecter sur la carte des Myriam et des Myriades, d'accord. Appuyez sur B pour quitter. Très bien. C'est le début, hein, premier épisode. Maintenez A et avancez pour sauter d'un rebord. Oh. Attention, 3, 2, 1, saucisse. Alors, on a oublié quelqu'un sur l'Arcoste, hein? Je vais y remédier rapidement. Non, monsieur. Oh, ok. Attends. Attendez pour passer au mode à distance. Éliminez les Uruks. Ok, alors on fait comme ça, on vise la tête. Payer pour ce que vous avez fait. Olé. La main noire les voulait tous morts. Alors attends. Étourdissement spectral. Yahoo. Ok. Et couchez Jean-Pierre. Allez. Raté. Et saucisse. Et j'ai dit saucisse. Olé. Attendez, hein, je prends mes marques, excusez-moi, ça vient de commencer. Non, raté. Pas gentil, j'ai dit coucher les... Et... Couche. Aïe. Ça fait mal, madame. Oula, et t'as failli me taper. Bon, ok, vous avez vu, combat très dynamique, plusieurs possibilités d'attaque. Aïe, tu vas me lâcher, oui. Retourne vers lui. D'accord. Alors, saisir et appuyer sur A pour... Ok. Viens ici, Jean-Pierre. Et on va l'interroger. Je vois dans ton esprit. Et ce que j'y vois, c'est extrêmement salace. Mais donne-moi des renseignements. Qu'est-ce que tu sais de la main noire de son... C'est un monstre. Il n'est pas réel. Quoi donc? Un ancien esclave. J'aurais l'avoir affronté. Je l'ai vendu contre un fût de grog. Agimoub, l'esclavagiste. Voici les capitaines de l'armée de Sauron. Ils apparaissent sous forme d'ombre car leur identité est inconnue. Appuyez sur A pour continuer. Interrogez les ennemis pour permettre d'obtenir des précieuses informations sur ces capitaines. Appuyez sur A pour connaître l'identité de ce capitaine. Ok, on est toujours dans le tuto. On a donc Gimub l'esclavagiste. Vous avez découvert l'identité de Gimub. Elle vous aidera à le traquer. Son titre, l'esclavagiste, vous donne des indices sur son rôle dans la société Uruk. Vous avez également appris son niveau de pouvoir. Il vous indique la difficulté que vous aurez à le battre. Les récompenses que vous obtiendrez en le battant dépendent de son niveau de pouvoir. Ces récompenses comprennent les runes pour améliorer vos armes et le Power qui vous permettra de déverrouiller de nouveaux rangs de compétences. Appuyez sur A pour continuer. Très bien. Position, où est-ce là où il est? La carte est objectif. Motivation, espère qu'un esclave essaiera bientôt de s'enfuir. Il veut donner l'exemple. Alors... Très bien. C'est là-bas que nous devons aller. On doit faire confiance à un orque. Ce n'est pas une question de confiance. Son esprit ne peut pas mentir. T'as, il est super badass, le spectre. Oh yeah, baby.
Guide mission. Les icônes dorées font progresser l'histoire. Les icônes rouges correspondent aux luttes de pouvoir dans lesquelles les Uruks s'affrontent pour un rang. Récompense pouvoir. Pour débloquer un nouveau rang de compétence. Les icônes blanches représentent les missions secondaires et les éléments à collecter. Récompense Myriane. Je comprends rien, mais bon. Deux missions principales sont disponibles. L'esclavagiste, sauver les hommes prisonniers et l'esprit du Mordor. Découvrez le fonctionnement de la société Uruk et détruisez l'armée de Sauron de l'intérieur. Ouais, on en tape le coquillard. Donc on est dans un monde plus ou moins... Le monde a changé. Ouvert ? Plus rien n'a de sens. Rien n'a changé. C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Le futur et le passé sont liés dans l'ombre. Je ne comprends pas ce que je fais là. Et je ne m'en souviens pas. Allons trouver l'esclavagiste. Son esprit pourrait nous apporter des réponses. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est mais... C'est un gros ! Oh le gros ! Oh le gros le gros ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On va aller voir. Tic 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 tic. Ta fin est proche. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il vient de tuer un orc en un coup. On va peut-être pas aller l'embêter tout de suite, hein. Vous en pensez quoi? On commence tout juste l'aventure. Ça serait bête de mourir. Ah, il est en train de dépecer, hein. Ok, on va le laisser tranquille, moi ça me fait peur. Donc, c'est un monde ouvert, on est dans le Mordor. Notamment, je crois, dans la région de la Porte Noire, vous voyez, on est là-bas. T'es là où on est mort avec notre femme. C'est là où Aragorn va être devant pour attirer les méchants et va faire « Eh, vas-y, vas-y, viens, Sauron, j'ai pas peur de toi !» Vidant l'ensemble de toute la troupe des orques, des Uruk-hai et des gobelins, enfin, je sais pas trop, et laissant la main libre à comment il s'appelle, Frodon Sacki. « Bonjour, messieurs !» Est-ce que je peux vous parler? Non? Bon, alors, voyons voir un peu ce qui se passe. Voici la carte. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a des renseignements. Très bien. Là, il y a un artefact. Là, il y a une mission. Là, il y a une mission générale. Et là, il y a encore un artefact. Ok, bah ça en fait des choses, dis donc. On va essayer peut-être d'aller au renseignement, tiens, pour voir ce que c'est. Début d'épisode, hein, on peut... Alors, si on regarde la carte, c'est par là-bas. Ok. D'accord, il y a donc des esclaves qui s'enfuient. On va se cacher, mes amis. En mode discret. Ninja! Le capitaine a dit que j'avais hésité à suivre. Ah, ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup d'Uruk, hein, quand même. Beaucoup, beaucoup d'Uruk. Ça fait au moins 3 Uruk. 2 par là-bas. Il faut plus de matériaux que ça. Il faut alimenter la machine de guerre. Ouais, bah, la machine. Vous ne pouvez pas vous barrer, là, allez, dégagez d'ici. Moi, j'ai un monsieur qui a des renseignements. Un Grog s'est échappé. Quelqu'un doit aller le chercher. Eh ben, pas moi. J'ai mieux à faire. On a qu'à le laisser se balader. Il écrasera peut-être quelques bulles. Bon. Ça vous dit de se faire baston? On va essayer d'en tuer quelques-uns à coups de flèches ou nettes. Je suis pas là. Je suis caché. Guide perception. L'icône au-dessus indique sa perception. Indique à Uruk a entendu un bruit et qu'il cherche où il vient. Indique à Uruk sait que vous êtes là. Très bien. Je suis caché. Personne ne me voit. Tu me vois pas, j'ai dit. Je me demande d'où le marteau tient son nom. Ça serait pas son... Ça serait pas son pénis? C'est ça que tu veux dire? Eh ben bravo, hein, je vous félicite pas sur les... Ouh, il est en train de... Et j'en ai fait cramer un. Et il m'en reste plus que 4. Attention. 4, c'est faisable. Ouais, 4, c'est faisable. Assez cherché, l'Uruk est mort. Et alors? Couche-toi, Jean-Pierre. Hop là. Aïe.
ça fait mal. J'ai... Venez, 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 allez, venez, venez. Veston. Et de 1 de moins. Couche-toi. Attendez, c'est quoi ça? C'est trop bien! J'adore! Non, non. Ah non, mais pas des nouveaux! Pas des nouveaux, c'est pas cool! Oh là, ça en fait beaucoup là quand même! Non, fais plus! Aïe, 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 aïe! Yo! Dans son dos. Oui, bah oui, bah oui. Je vais vous en dire, moi, des passes dans son dos. Oui. Allez, couche-toi. Il est où, mon... Ah, il est là. Faut pas le tuer, lui, hein. Il faut pas le tuer. Yo, elle va mourir. Qui c'est? Tu ne m'échapperas pas. Oh. Tu finiras par me supplier de t'achever. Non. Je vous connais pas, monsieur. Je vous permets pas de me parler dans cette, dans ces conditions. Allez. Allez, couchez. Moi, tout ce que je veux, c'est l'autre au renseignement. Forcez-le à nous implorer. Ah bah non, il est mort. Ah bah non, c'est nul! C'est pas cool! Aïe! Aïe! Allez, couchez! Ma lame est pour toi! Hop là, dégage! Ça en fait beaucoup d'orques, hein. Moi qui voulais juste un renseignement. Ya. Couchez. Attends, je vais te tuer, toi. T'es moche. Aïe. Je te permets pas de m'interrompre pendant mon combo de l'amour. Couche-toi. Abandonne. Hop là, rien de moi. Ah oui, c'est vrai, ça marche pas, ça. Tu vas crever, toi. Viens ici. Tu es à moi. Ah. Ah, ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Tu mets. Aouh. Et va voir papa. Dégage. Allez, Jean-Pierre. Bon. Renseignements. J'ai quand même des renseignements. C'est déjà pas mal. Guimub l'esclavagiste. Qui c'est ça? Ratbag la meuviette. Très bien. Pugrish le nidastico. Ok. Bon bah on va prendre des renseignements. Alors, indice, dégâts coups finaux. Il a la haine des brûlures, tueur de monstres. Bon, offensif en poignade. Bon, bref. Ouh! J'ai donc tué. Quand un capitaine meurt, un poste se libère dans l'armée de Sauron. Un nouveau capitaine peut prendre sa place quand le temps passe. Ok, je donc j'ai tué un capitaine. Très bien. Ça, c'est un début d'épisode trop épique. Moi qui voulais des renseignements. Et donc j'ai gagné. Et des runes. Bon. Eh ben, c'est pas mal, on a fait le ménage. On va pouvoir se reposer là. On va pouvoir s'arrêter, hein, je pense que c'est pas mal. Ça fait un bon début d'épisode, assez épique pour commencer.
Donc, on va éviter d'aller voir la grosse bébête là-bas. Donc, je sais pas combien d'épisodes va sortir par semaine, en plus de Dragon Age Origins. Mais dans tous les cas, ça sortira. Je vais voir, je vais faire des premiers montages. Là, c'est un premier test. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se fait la main, hein. C'est assez... comment dire ? C'est assez direct comme gameplay, hein, c'est assez épique. Qu'est-ce que c'est? Ah ok, c'est ça. C'est assez... Ah, je cherche mon mot, mais là je n'arrive pas à le trouver. Nerveux, voilà, c'est quand même un gameplay assez nerveux. C'est quoi, c'est une araignée ça? On va tuer l'araignée! Ah, ok, c'était un défi de chasse. Bon, je sais pas tout ce que ça veut dire, un gold affiché l'entrée. On verra ça dans les prochains épisodes, hein, vous allez me dire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve bientôt dans les royaumes... royaume de la Terre du Milieu. Et dans l'ombre du Mordor. Avec Talion, notre nouveau héros. Avec Jean-Pierre, le spectre qui fait peur. Et en attendant... Hatcho tout le monde, merci de m'avoir regardé. Hey. Bye bye.